Et salut tout le monde, c'est Sinoa. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les guêpes polistes, la première vidéo de l'année. C'est vrai que j'ai un peu tardé pour faire ces vidéos. C'est vrai que je me suis pas mal occupé du potager et des bourdons. Et du coup, ça a pris beaucoup de temps. On peut voir que ça circule une fois de plus dans ce gros pot de fleurs. On ira voir l'intérieur tout à l'heure. Et donc j'ai un peu modifié l'installation. On va en profiter pour faire un petit tour. Alors, c'est dommage parce que en haut à droite, il y avait une guêpe qui montrait le bout de son nez, enfin de son antenne. Donc en haut à droite, là, il y a un nid qui s'est installé. Enfin une guêpe qui s'est installée. Alors au début elles étaient deux sur le même nid. Et puis maintenant j'ai l'impression qu'elle est seule. Donc est-ce que l'autre est morte ou elle a été chassée ou elle a décidé finalement de se faire un nid toute seule, je ne sais pas. Là dans le gros pot, nous verrons, hein, l'année dernière on avait eu le nid assez exceptionnel en taille. Bon normal, hein, j'avais je crois plus de 10 rennes qui s'étaient unies pour faire un nid, donc forcément il y a de l'avantage. Alors après du coup je me suis pris tard pour installer, enfin pour remettre à niveau le nid on va dire, parce que bon, les pots de fleurs c'est vrai étaient tombés en partie dans l'hiver, tout ça. Et du coup elles ont commencé à nicher et le nichoir n'était pas du tout prêt. J'aurais dû me dépêcher parce que c'est vrai que ça, finalement ça prenait pas tant de temps que ça à faire. Mais bon voilà, j'ai tardé. Et du coup j'ai installé les pots de fleurs trop tard, la plupart des nids étaient déjà installés. Mais j'en ai quand même une qui s'est installée aussi en bas. Elle y est encore parce que je viens de l'avoir passé juste avant que j'allume le caméscope. Donc voilà, j'ai changé aussi le système d'attache des pots de fleurs qui est beaucoup plus fiable qu'avant avec les... J'ai raté la guêpe. Avec les petits crochets comme ça, voilà, avec le temps ça n'allait pas. Donc du coup, voilà, j'ai changé le système. À part le gros pot, je suis obligé de tenir avec le bout de bois, sinon il tombe avec le poids. Mais les autres, un petit système de fil de fer accroché à un petit, je ne trouve plus le nom, mais c'est pas grave, vous voyez ce que c'est. Et voilà, du coup j'ai juste à décrocher le fil de fer, enfin soulever le fil de fer et hop, je peux décrocher le pot. Donc on observera ça ce soir, les nids à l'intérieur. Et puis voilà, c'est parti pour la saison des guêpes. Ah oui, puis je ne vous ai pas dit aussi. J'en ai un autre, c'est vrai, là-bas. Alors, pas dans la boîte en fer comme l'année dernière, mais dans la boîte de cassette VHS, le trou bien rond là en bas. Voilà. Il y a Alors, faudrait voir maintenant parce que c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas regardé. Alors, j'essaie de fixer le caméscope là. Hop. Voilà. Oui, du coup, au début, il y avait deux nids. Mais ce qui est bizarre, c'est que pour la nuit, les deux guêpes se tenaient ensemble sur le même nid. Et elles laissaient l'autre tout seul. Mais il y avait des œufs, du nectar dedans. Enfin, des réserves de nectar dedans. Donc, maintenant que le nid a sûrement bien grandi, enfin les deux nids, à voir si... les deux se sont unis dans le même nid ou bien si maintenant ils sont chacune sur leur nid, enfin voilà, on verra ça ce soir aussi. Hop, on va se remettre là, il y a une guêpe qui prend le soleil, peut-être dézoomer avant. Hop. Ah, peut-être qu'elle va rentrer. Donc voilà, je vais aussi vous filmer les guêpes en train de ramasser du bois, c'est toujours intéressant à voir. Et elles sont très nombreuses en ce moment à le faire. Je profite de cette journée parce que c'est la dernière journée ensoleillée. Après ils annoncent du mauvais temps pour longtemps. Ah, voilà, on a une reine qui vient de rentrer. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure. Alors comme prévu, on se retrouve un jour où il fait moche. Comme depuis quelques jours, hein, ils annoncent de la pluie pour 3-4 jours, ce qui va pas faire de mal, franchement. Et donc, dès qu'il n'y a plus de soleil, les guêpes ne sont plus de sortie.
Donc on va profiter pour regarder ce qui se passe. Donc ma nouvelle installation qui est là. Et je sais qu'il y a un nid ici. On va essayer de ne pas faire tomber le pot quand même. Voilà. Donc un nid déjà quand même pas mal. On peut voir les œufs sur le côté. Donc un nid où il y avait à la base deux guêpes, puis maintenant il n'y en a donc plus qu'une. Voilà, je remettrai en place, je vais le mettre là en attendant. Ensuite là il n'y en a plus. Il y en a un qui est tout en bas là. C'est quand même beaucoup plus simple ce système là pour décrocher les pots de fleurs. Donc un nid on va dire exactement la même taille que l'autre. Avec donc une guêpe aussi. Facilement. Voilà, ce système c'est clairement celui que je vais faire partout maintenant si j'agrandis le nichoir à pot. Je regarderai dans les autres mais normalement il n'y a rien à part dans le gros pot comme l'année dernière, mais ça on regardera à la fin. Où est-ce qu'il y en a? Il y en a, alors je suis déçu ici, l'année dernière il y a eu plein de débuts de nid. Parce qu'en bois, en plein soleil, bon, ouais, normalement ça plaît aux guêpes. Mais voilà, il reste que des vieilles amorces de l'année dernière. Bon, il y a un nid avec une seule alvéole. Et là, il y avait eu plusieurs débuts de nid. Mais cette année, rien du tout, j'ai même pas vu des guêpes tourner autour. C'est assez étonnant. Je ne sais pas pourquoi. Une année à l'autre, ça change. Bon, dans les autres non plus, il n'y a rien, à part changement au dernier moment, mais non. Après, je pourrais le mettre encore plus au soleil, parce que, évidemment, ils choisissent plutôt là, parce que le soleil est là, et après, il tourne là-bas, donc du coup, ça tape beaucoup de ce côté-là. Donc c'est pour ça qu'elles avaient commencé à nicher de ce côté-là, donc il faudrait que je trouve un moyen pour que ce soit complètement au soleil. Peut-être du coup, dessus, là, ce serait pas mal, avec un petit toit. Voire même la brique posée dessus, ça pourrait être pas mal. Ouais. On va voir pour l'année prochaine. Ensuite, dans le bétail, toujours rien. Pourtant, le fer en plein soleil, ça aurait pu marcher. La boîte à thé, il y a le nid toujours de l'année dernière. Je sais même plus ce qui est arrivé avec ce nid là, parce qu'on voit que même les guêpes n'ont pas réussi à toutes naître. Ah oui, il y a eu une attaque de fourmis, si je me souviens bien. Donc, mais cette année rien du tout. Dans celle-là, normalement, il n'y a rien. Bon. Hop. Et dans celui-là, par contre, hop là. Qu'est-ce qu'on a? Pas mal de choses. Voir, je vais m'approcher. Voilà, alors on a deux guêpes sur le même nid. Je sais pas si on peut voir l'autre. Oups. Voilà, donc on a deux guêpes sur le même nid. Donc évidemment, il y a des œufs. On commence même à avoir des larves. Ça va être compliqué à voir. Enfin bref. Voilà. Alors là, c'est un vieux nid qui a été mangé, alors peut-être par la guêpe justement pour reconstruire son nid à côté. Ça arrive parfois, elle clignote le papier mâché, c'est plus simple. Ça, c'est un nid de l'année dernière qui... Ah oui, où elles avaient refait un nid, oui, des guêpes qui avaient sûrement été dérangées. Elles avaient refait un nid vite fait, bien fait. Elles avaient réussi à avoir quelques sexués.
Et là, un deuxième nid. Alors en fait, vous voyez, on voit les œufs. En fait, une des deux reines qu'il y a là est en train de faire un nid ici. Alors parfois, elle dort sur le petit nid. Et parfois, elles dorment toutes les deux ensemble sur le gros nid. Mais ce sera intéressant déjà de voir, quand les nids vont grossir, qu'est-ce qu'elles vont faire de celui du milieu. Je pense qu'elles vont grignoter. Et si elles enlèvent le nid du milieu, qu'est-ce qui va se passer, l'interaction entre les deux nids habités, qui vont normalement se toucher ou presque. Donc, à voir. Bien pratique ces boîtes VHS. J'en ai encore deux ou trois, il faudrait que je les installe encore dessus pour faire une sorte d'immeuble. En les empilant comme ça. En plus, c'est bien, le rebord, il dépasse un peu, donc pour la pluie, c'est bien, il n'y a rien qui rentre. Donc voilà. Je vais vous montrer deux autres nids que j'ai fait vraiment à l'arrache et qui ont marché. Et on se retrouve après pour le final avec le gros pot. Et devant chez moi, j'ai un toit qui est tout bas. J'ai posé juste un pot de fleurs comme ça à l'arrache. Alors c'est au soleil toute la journée. Et qu'est-ce qu'on a? Une guêpe aussi. Alors elle a commencé très tôt. Donc du coup elle a mis pas forcément très gros, mais avec des alvéoles beaucoup plus développées en profondeur. Voilà, donc si vous voulez faire un nid, hein, franchement, enfin un nichoir, c'est pas compliqué. Un pot de fleurs au soleil et c'est bon. Merci le chat. Pour un exemple de nichoir facile, hein, on est sur un toit en plein soleil toute la journée. Donc voilà, un pot de terre cuite en plein soleil, ça accumule la chaleur contre un agglo. Et résultat, comme l'année dernière, nous avons un nid. Voilà. Donc, vous savez ce qu'il faut faire, hein. C'est très facile. On va essayer de ne pas l'écraser. Hop. Le problème, c'est que c'est le passage des chats ici, et à chaque fois il me bouge le pot de fleurs. Il faut que je trouve un moyen pour le fixer un peu mieux. Allez, on se retrouve pour le dernier pot de fleurs. Voilà, devant le gros pot de fleurs. Alors, je l'ai décroché avant de filmer parce qu'il est tellement lourd que d'une main je pourrais pas le manipuler. Et donc, vous vous rappelez, l'année dernière, on avait eu un nid avec je crois 12 ou 13 reines qui s'étaient unies pour construire un nid. Et bien là, regardez, encore un gros nid, c'est assez fou. Et vous voyez encore l'union de je ne sais combien de reines ensemble. Donc nous allons encore avoir un nid assez hors norme. Alors est-ce qu'il battra le record de l'année dernière? Je ne sais pas. Et voilà, on peut voir l'union de pas mal de reines. Il y en a encore dessous. Hein. On ne les voit pas toutes. Je ne sais pas si vous les voyez. Un très 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 beau nid pour un tout début de saison. Hein. Alors évidemment là on ne peut pas trop voir l'intérieur. Mais comme l'année dernière, je vais mettre ensuite une canne qui traversera le pot de fleurs, et enfin avec le nid face à la vitre pour qu'on puisse observer l'intérieur du nid. Donc voilà, je vais vous montrer ensuite le nid de l'année dernière. Donc, j'ai pas précisé que donc dans ce gros pot de fleurs là, avec le gros nid qui est en train de se former, il y a l'union de environ une dizaine de reines. Au début j'en avais compté 9 ou 10. Là apparemment sur le nid j'en ai compté 7. Donc voilà, c'est moins quand même que l'année dernière. Donc peut-être le nid sera moins gros. Mais ça reste quand même beaucoup. Il suffit que la météo soit plus favorable et elles pourront mieux travailler et du coup combler le retard, on va dire. Donc à voir. Et donc on va passer au nid de l'année dernière. Et regardez cette taille de nid.
Voilà, donc ça c'était le nid qui était dans le pot de fleurs. On voit qu'il est plus gros que l'entrée du pot de fleurs. Et alors c'est marrant, on peut voir aussi la forme qu'il a pris. Elles l'ont un peu arrondi. Alors quand c'est contre un mur, elles le font plat, avec la forme du mur. Mais là, comme il n'y avait pas de gêne derrière, et qu'elle sentait que le nid se rapprochait du bord du pot, bah du coup, elles ont décidé de l'arrondir pour pouvoir le faire le plus grand possible, pour pas que le nid touche le bord. Donc on se retrouve quand même avec un nid assez impressionnant, avec un nombre d'alvéoles. Un nid classique de guêpe poliste, il fait à peu près un quart de nid, hein, comme ça. Hein. C'est vraiment un nid hors norme. Voilà, c'est quand même assez magnifique, hein, c'est vraiment comme des alvéoles d'abeilles. Hein. Et du coup, vous voyez, ça fait des lignes. Donc du coup, ça a été assez facile de compter le nombre d'alvéoles. Et alors j'aurais jamais cru qu'il y en avait autant. Il y avait 661 alvéoles dans ce nid. Donc record à battre, j'ai envie de dire. On peut même voir qu'elles avaient fait des sortes d'alvéoles derrière le nid, là, comme ça. C'est assez bizarre. Là aussi, elles avaient fait une sorte de début d'alvéoles assez étrange. Et on peut voir aussi, alors peut-être par là, il faudrait que je me mette voilà, comme ça. On peut voir que l'attache, voilà, au début ça part juste avec un pied, mais ensuite on voit qu'elles ont renforcé le système d'attache pour pas que le nid se décroche. On va peut-être mettre de l'autre côté. Voilà, on peut voir qu'elles ont mis du papier mâché partout, là où la canne était écartée pour que je puisse glisser le pied dans la fente du bois pour qu'il tienne au début. Après ensuite, voilà, ils ont tout consolidé avec du papier mâché. C'est assez marrant à voir. Bon. Donc voilà le nid record pour l'instant, 661 alvéoles. Voilà, donc ce sera tout pour ce bilan sur les guêpes pour ce tout début de printemps. Hein, je ferai régulièrement une vidéo pour voir l'évolution des nids. Et puis voilà, il faudra que je place donc les nids face aux vitres pour une observation comme l'année dernière au top. Hein, parce que là, bon, un nid de profil, c'est pas terrible pour l'observation. C'est déjà bien, mais voilà. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.